Eh bien, l'arbuste que j'ai la joie maintenant de vous présenter, c'est cet arbuste qu'on voit devant nous ici. Il s'agit de Ximénia americana, que on trouve un tout petit peu partout, hein, en Afrique tropicale, depuis le climat soudanien jusqu'au climat de type guinéen. Et ça pousse sur des terrains aussi bien argileux, plus ou moins argileux, que gravillonnaires. Là, on voit un peu de gravier, là, de gravier latéritique au fond. Donc, il pousse dans des conditions relativement différentes. On peut pousser même auprès des mares, en sous-bois des forêts. Dans la zone de savane, on le trouve. Il y a quelques pieds là. Donc, en dehors de celui-là, nous voyons que, par exemple, je ne sais pas si la caméra peut voir ça, un peu plus loin là-bas, nous voyons qu'il y a un autre pied. Donc, c'est cet arbuste que nous allons décrire, qui est un arbuste qui peut atteindre facilement, combien? 4, 5 mètres de haut, hein, quand même, si le terrain est très favorable. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est que il est souvent très branchu, n'est-ce pas? Et le tronc est assez tortueux, donc les branches vont apparaître très tôt, hein, et la couleur est quoi? De couleur grisâtre, hein, avec des épines. Il faut remarquer que c'est un arbre à épines. Hein, nous allons faire un gros plan sur certaines des épines d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, alors les épines sont au niveau de l'aisselle des feuilles. Là, on voit par exemple, il y a une épine là. Hein. Il y a une autre épine. On regarde un peu plus bas. Voilà, il y a une épine ici. Hein, encore là, encore là, encore là. Souvent à l'aisselle des feuilles. Et ça peut atteindre facilement. Bon, ceux-là sont. Celles-là sont petites, mais ça peut atteindre facilement 1 cm. Hein. Alors, lorsque les rameaux est jaune, la couleur tend plutôt vers le marron, hein, marron à brun, hein, n'est-ce pas? Tandis que ça devient un peu plus grisâtre avec des stries marron, hein, comme on peut voir ici sur le tronc un peu plus âgé, hein, grisâtre avec des stries marron. Voilà, donc. Ici, il s'agit d'un jeune pied, hein, donc on voit là le diamètre, pardon, de cette branche est de l'ordre de 2 cm. Hein. Alors, pour décrire la feuille, nous allons prendre ce rameau. On peut voir, hein, selon leur disposition, c'est des feuilles simples. Hein. Là, on voit une feuille là, une feuille là. Elles sont décalées. On dit que ce sont des feuilles alternes. Hein. Et bon, quand on prend disons une seule feuille pour essayer de la décrire. Là, le pétiole, il est relativement court, c'est de l'ordre de 5 mm, 5 à 6 mm le pétiole. Et alors la forme même de la feuille, on peut voir, c'est une forme plus ou moins ovale, hein, hein, avec une longueur qui atteint dans les quoi, une longueur de 5 cm et demi à 6 cm, hein, on va dire. Oui, 5 cm et demi. Et la largeur est de l'ordre de combien? 2 cm et demi, peut-être à 3 cm sur certains pieds. Les nervures, on voit la nervure principale, elle est assez visible, tandis que, en tout cas sur la face supérieure, les nervures secondaires sont moins marquées. Ça semble disparaître dans l'épaisseur du limbe. Alors, quand on les compte, on peut voir les nervures secondaires là. Peut-être que je vais détacher carrément cette feuille, ce sera plus facile comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va dire que c'est de l'ordre de 7 paires de nervures. C'est assez difficile à compter. Même en face inférieure, la face qui est égale vers le sol, la nervure principale est assez visible, mais les nervures secondaires ne sont pas très très visibles en fait. Et les couleurs des deux faces sont relativement similaires. Souvent sur les plantes, on voit que la face supérieure est un peu plus vert sombre que la face inférieure qui va être blanchâtre. Mais sur Ximénia americana, les couleurs sont relativement pareilles. Hein. Et voilà donc, ça c'est pour la feuille. Alors, pour décrire les fleurs, il y a beaucoup qui sont tombées déjà, hein, parce que les fruits ont été formés. Je prends, voilà là,
Là, ça, c'est la position d'une fleur. Une fleur, là, on voit encore la fleur qui est toujours là. Et celle-là aussi. Donc, les fleurs vont apparaître en racème, c'est-à-dire groupées, hein, à la fin du, disons, du rameau. Donc, elles vont apparaître surtout pédonculées, hein, à l'aisselle des feuilles. On parle de fleurs axillaires, donc. C'est très visible ici. C'est sorti à l'aisselle des feuilles. Et donc, c'est des petites fleurs blanches, hein, très jolies, hein, qui vont décorer la plante. Et quand on regarde le pédoncule à combien? De l'ordre de 1 cm hein, pour celui-là. Et quand on prend cette fleur, voilà la partie corolle, c'est-à-dire là où il y a les pétales qui sont ouvertes. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 pétales qui sont ouvertes. Et les organes de reproduction sont situés à l'intérieur, bien sûr. Et là, on voit la largeur de cette partie corolle, donc, qui est de l'ordre de combien? À peu près 1 cm hein, de diamètre, 1 cm de diamètre. Donc, quand on regarde ce rameau, on voit qu'il y a ici hein, les groupes de fleurs, on peut compter 1 ici, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Donc, quand ces fleurs, ces petites fleurs vont être fécondées et vont donner les fruits qui sont là, qui sont des baies ovoïdes. Voilà, ça c'est un fruit. Ouais, ça c'est un fruit. Et là, il y a un autre fruit. Juste derrière là. Là, quand je bouge ce rameau, on voit un autre fruit là. Et un peu plus loin, on voit d'autres fruits qui sont là. Et ces fruits sont très sucrés, légèrement aigres, mais très sucrés. J'ai coupé là un des fruits, un des restes de fruits, on va dire, hein, qui restait. J'ai coupé un. Et quand on regarde, donc, la dimension elle-même, elle fait quoi? L'ordre de combien celui-là? 1,5 cm, hein, mais le fruit peut être gros jusqu'à 2 cm. Et la fine pellicule qui est en haut peut être détachée. Et en bas, on a une pulpe, donc, qui est comestible, hein, hein, qui est comestible, que les populations, donc, mangent. Tandis que donc la graine est au milieu. La graine, elle est toxique. Hein, donc les gens ne consomment pas la graine. Mais c'est une graine qui a un taux de germination assez élevé. On a avancé jusqu'à à peu près 90% à la température de 25-26 degrés. Hein. Et la graine, ici on peut voir, hein, l'ordre de 1 cm. Donc en gros, on peut dire que l'épaisseur de la pulpe peut atteindre pour certains fruits jusqu'à, hein, quand on regarde, jusqu'à un demi-centimètre quoi, d'épaisseur. Alors, donc, c'est très intéressant comme plante, et nous pouvons nous-mêmes contribuer. Nous encourageons vivement les vidéospectateurs à participer à la conservation, à la dissémination de cette plante, Ximénia americana, et en l'introduisant dans nos champs, dans nos cours, nos jardins, partout où cela se peut, surtout que la plante a beaucoup d'utilisation, hein. Donc, nous venons de parler du fait que c'est utilisé parce que c'est comestible, mais aussi on sait qu'il y a beaucoup d'applications en termes de phytothérapie, et nous allons donner bien entendu la liste de cela à la fin, mais, soit dit en passant, sur ce pied, on voit que les fruits sont plus gros, hein, facilement 2 cm, il y a beaucoup de chair, de pulpe là. Au Mali, par exemple, Ximénia americana va être appelée par les Malinkés, Ntongue. Ou bien Séné. On trouve un tout petit peu le nom, un nom similaire au Burkina Faso, chez les, disons, chez les Djoula. Hein? On l'appelait aussi Ntonga, hein? Ou bien Ntongue. Tandis qu'au Burkina, si on reste là, les Mossi vont l'appeler Lenga. Lengue ou Lenga. Hein? Et, eh bien, au Sénégal, hein, au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Golen, ou bien Golon. Tandis que les peules tout couleur, les peules tout couleur du Sénégal vont l'appeler Tabourli, ou bien Téné, Tabouli tout simplement. Quand on parle en Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Assoukrou, Assoukrou.
Bon, au Bénin, les Baribas vont l'appeler Goroku. Goroku. Quand on parle en Guinée, les Peuls Poulards vont l'appeler là-bas Tiaboulé. Tiaboulé. Voilà, ça c'est juste quelques noms. On peut, en s'efforçant à partir du nom scientifique, hein, on peut retrouver, disons, dans la plupart des langues locales, le nom de cette merveilleuse petite plante qui est Ximénia americana.